Bonjour et bienvenue dans Prière inspirée. Nous sommes dans ces deux semaines au cœur de la prière. On est en train d'étudier les différents types de prières qu'on peut trouver dans la Bible. On en a parlé, on a déjà vu trois ensemble. Aujourd'hui, on va voir la quatrième type de prière, la prière d'accord. La prière d'accord, c'est le fait de se mettre en accord avec une autre personne. Demain, on parlera de la prière en groupe. On verra ça ensemble demain. Et aujourd'hui, on va lire le passage de Matthieu au chapitre 18. Si vous avez votre Bible, plusieurs d'entre vous, vous écoutez cette émission à 6h30 du matin. Et j'espère que vous êtes bien réveillés, mais vous pouvez prendre la Bible avec vous. Et avant de prier, souvent, on a des temps de partage. Et donc, c'est l'occasion de pouvoir aller dans la parole de Dieu et pouvoir étudier aussi plus tard, méditer sur ces passages, les passages dont on a parlé, quand vous êtes seul et que l'émission est terminée. Au verset 19, Jésus dit, « En vérité, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent, et en fait ce mot accord a donné le mot symphonie. Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, puisqu'en fait quand on sera aux cieux, dans les cieux, au ciel, il n'y aura plus besoin de prier. La seule et le seul type de prière qui restera sur les 10 types qu'on va voir ensemble, c'est la louange et l'adoration. Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » D'ailleurs, ce verset, c'est le verset préféré des petits groupes et des petites églises. Voilà, Seigneur, tu sais que bon, là où deux ou trois sont réunis, tu es là, au milieu d'eux. C'est vrai que c'est un peu rassurant. Donc, je vous dis que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit en mon nom, je le ferai, ou encore, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. La prière d'accord, c'est, ou encore appelée parfois la prière d'agrément, se mettre en accord, c'est une prière donc qui se fait avec une autre personne. Et comme le nom l'indique, il faut se mettre en accord. C'est important de pouvoir se mettre en accord sur la chose que nous allons demander. Demain, on va parler des groupes de prière où là on est plus. Mais dans cette prière d'accord, je me mets en accord avec une personne. Soit nous prions ensemble pour un même sujet qui nous touche pas forcément directement, soit peut-être c'est moi qui prie pour une personne. Parce que cette personne m'a par exemple demandé de prier pour elle. C'est important pour vous et pour moi de pouvoir prier pour des gens. Peut-être vous n'avez jamais prié pour quelqu'un, peut-être soit quelqu'un dans l'église qui connaît Dieu ou quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, mais ce serait un bon défi de vous dire, voilà, cette semaine ou vraiment ce mois-ci, j'aimerais pouvoir prier pour quelqu'un. Alors, vous allez peut-être devoir vous mettre en accord avec cette personne. Si vous voulez en tout cas que Dieu réponde, il va falloir vous mettre en accord avec cette personne. Et c'est important, il y a des lois spirituelles qui doivent être respectées. Dans le livre d'Ecclésiaste, au chapitre 4, au verset 9, Ecclésiaste 4, verset 9, il est écrit « Deux valent mieux qu'un parce qu'ils ont un bon salaire de leur peine. » Pendant de nombreuses années, c'était difficile pour Annabelle et moi de prier ensemble. Je me souviens le nombre de fois où on a voulu prier ensemble et on était jeunes mariés, on disait « bon, bah, ok, on va prier ». Elle dit « on attendait quelques secondes » et je disais « bah, tu pries pas ?»« Bah non. » »« Et toi, tu pries pas ?»« Bah, vas-y, prie. » »« Non, je prierai après toi. » Et c'était régulièrement ce genre de discussion et en fait, des fois, ça tournait mal même. On n'arrivait pas à prier ensemble. On a besoin de se mettre en accord. C'est pourquoi d'ailleurs Jésus dit qu'il faut qu'on puisse pardonner aux hommes leurs fautes, pour pas que ça fasse d'obstacle même dans la prière et aussi au sein du couple. Marcher dans l'amour. Je ne peux pas me mettre en accord avec quelqu'un avec qui mon cœur retient quelque chose. J'ai besoin de marcher dans l'amour avec cette personne. C'est pour ça que la prière à deux, c'est puissant. Et la prière en couple, c'est puissant. Cette année, on a prié ensemble plus que jamais. Et on a découvert vraiment la richesse, la grâce de pouvoir prier ensemble tous les jours de manière régulière. Deux valent mieux qu'un parce qu'ils ont un bon salaire de leur peine. Ça, c'est encourageant parce que je peux prier avec quelqu'un et je vais recevoir un bon salaire. Je vais être bien payé, je vais recevoir quelque chose de conséquent, plus que si j'étais tout seul. Ça, c'est une grâce. Le fait qu'on va être deux pour prier pour ça, si on réussit à se mettre en accord, au moment où on va prier, toi et moi, on va avoir un bon salaire. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Il dit si quelqu'un qui s'approche de Dieu, il doit croire qu'il existe, en sa nature, en son existence,
mais aussi qu'il est le rémunérateur, ou encore certaines versions, qu'il récompense ceux qui s'approchent de lui. C'est quoi la récompense? Si je m'approche de Dieu pour obtenir un vélo rouge, la récompense, c'est le vélo rouge. Si je m'approche de Dieu pour recevoir la paix, la récompense, c'est la paix. Pas la paix de mon voisin, non, c'est la paix. Si je me suis approché de Dieu pour obtenir la paix dans ma vie personnelle, Dieu est bon, il prend soin de moi, il va me donner la paix. Je dois me mettre en accord. Et il y a des gens, ils ont même de la difficulté à se mettre en accord avec Dieu. Avant de me mettre en accord avec quelqu'un, il faut que je me mette en accord avec Dieu. Il faut que ma prière, celle que je vais demander, soit en accord avec Dieu. Je dois me mettre en accord avec Dieu, c'est-à-dire ne rien aussi avoir dans mon cœur contre Dieu. Sinon, ça ne marche pas. La prière d'accord. Rappelez-vous que Jésus intercède pour vous en ce moment même. C'est extraordinaire. La prière d'accord, donc je prie avec quelqu'un et première chose, on voit, on en retire un bon salaire. Une récompense qui est plus grande. Un en abat 1000, mais deux 10 000. Verset 10, « Car s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. » Ça, c'est une grâce également. Il y a des temps où il y en a un qui est plus fatigué peut-être spirituellement que l'autre. Et alors à ce moment-là, on prie qu'on soit la personne qui va le relever. La personne a demandé de prier. Peut-être elle est faible spirituellement, peut-être elle a un péché récurrent dans sa vie, peut-être elle a un besoin de guérison, elle a un fardeau, quelque chose dans sa vie, et nous demande « Est-ce que tu pourrais prier pour moi, s'il te plaît ?» Elle est dans une position de faiblesse. Quand on est deux, l'un peut relever son compagnon. La prière fervente est d'une grande efficacité. Nous pouvons ramener quelqu'un à Dieu par la prière. Nous pouvons arracher quelqu'un des ténèbres, de l'enfer, des flammes, pour l'amener dans le royaume de Dieu par notre prière. Mais aussi, quand on est deux, si quelqu'un nous demande de prier pour lui, alors on peut effectivement le relever par notre prière. Ça se passe dans les prières en groupe, mais ça se passe aussi dans la prière quand on est deux. Quand on est deux, on se met en accord pour quelque chose. Un, il y a une récompense qui est plus forte. Deux, je peux le relever par ma prière quand on se met en accord ensemble. Alors maintenant, quelqu'un, j'ai été dans une chambre d'hôpital, j'avais rencontré un père de famille. Il m'avait raconté que son fils avait le cancer, phase terminale, avec plusieurs enfants, il était jeune. J'ai dit, je vais aller prier pour lui, pour que Dieu puisse le guérir. J'arrive dans cette chambre d'hôpital, en dehors de l'atmosphère que je pouvais ressentir d'incrédulité, avec toute la famille qui était là, des amis de l'église qui étaient là. Ça ne sentait pas, entre guillemets, la foi, par les paroles, par l'atmosphère. Et j'ai parlé à ce jeune homme, qui avait en fait mon âge, je lui ai dit, je crois que Dieu veut te guérir, alors j'ai prié pour toi, parce que je crois que c'est la volonté de Dieu pour toi de te guérir. Il m'a dit, tu ne changeras pas ma théologie. Malheureusement, il est mort, parce qu'il n'a pas voulu se mettre en accord avec la parole de Dieu, et en tout cas, on n'a pas réussi à se mettre en accord, lui et moi. C'est important de se mettre en accord avec la personne sur la parole de Dieu et d'être d'accord, justement, sur les choses qu'on va demander. Si quelqu'un veut que je prie pour lui, mais que cette personne s'attend à aller un petit peu mieux, ça va être difficile. Si moi je prie pour que la personne soit automatiquement guérie, ça ne vous est jamais arrivé de prier pour quelqu'un pour que la personne soit guérie, et vous dites « Amen », vous avez fait une prière de feu, et la personne vous dit « Ah ben j'espère que peut-être Dieu fera quelque chose pour moi ». Ça vient tout casser, le doute vient tout casser. On a besoin de se mettre en accord sur ce qu'on croit de Dieu, sur ce qu'on demande à Dieu. Si une personne te demande de prier pour un vélo, mais que dans son cœur, il prie pour avoir un vélo jaune et qu'il ne t'a pas dit cette information, et que toi, dans la prière, tu dis « Seigneur, donne-lui un vélo rouge », à ce moment-là, vous n'êtes pas en accord. On a besoin de se mettre en accord. Plus on sera précis, mieux ce sera. Alors, il faut deux personnes qui s'accordent pour demander la même chose, être sur la même longueur d'onde, être dans la même compréhension spirituelle. On a besoin de se mettre en accord. Sinon, ça ne va pas créer de puissance. Un bon salaire, on peut relever l'autre. Troisièmement, verset 11, « De même si l'on se couche à deux, on a chaud. Mais celui qui est seul, comment se réchauffera-t-il » Alors, le fait d'être deux, ça provoque de la chaleur. Quand on prie ensemble, la prière, cette prière d'accord, ça provoque, entre guillemets, de la puissance, de la chaleur, de la puissance spirituelle.
le fait d'unir un esprit, l'esprit d'un enfant de Dieu, avec l'esprit d'un autre enfant de Dieu, ça crée quelque chose. Ça crée une puissance, et ça, on le voit dans toute la parole de Dieu. L'unité, l'accord, le fait de se mettre ensemble au nom de Jésus, effectivement, là où deux ou trois sont réunis, il est vraiment au milieu de nous, alors ça crée quelque chose de fort. On a besoin de se mettre en accord. Quatrièmement, verset 12, « Si quelqu'un maîtrise un homme, seul, deux peuvent lui résister. La corde à trois brins ne seront pas vite. » Si quelqu'un maîtrise un homme seul, deux peuvent lui résister. Tout seul, on peut peut-être maîtriser quelqu'un. À deux, on peut non seulement le maîtriser, donc je peux prendre ses deux bras. Maintenant, qui c'est qui va aller lui mettre les menottes? J'ai besoin de quelqu'un. C'est souvent d'ailleurs pour ça que Jésus a envoyé ses disciples deux à deux. C'est souvent pour ça que les policiers travaillent aussi deux à deux. Parce qu'à deux, on est plus fort. On a besoin de se mettre en accord. Si la personne est incrédule, je ne peux pas me mettre en accord avec elle. Si la personne ne croit pas, je ne peux pas me mettre en accord avec elle. Si la personne n'est pas en accord avec ce que je crois de la parole de Dieu, je ne peux pas me mettre en accord avec elle. Elle peut prier de son côté, je pourrais peut-être prier de mon côté, mais on ne peut pas se mettre en accord ensemble. Un jour, une femme dans une église s'approche de moi pour la prière, pour que je prie pour elle. Elle prie, elle me demande que je prie que elle est un enfant. Avant même que je puisse prier pour elle, je ressens dans mon cœur de lui poser la question « Êtes-vous mariée ?» Elle me dit non. Elle n'était pas mariée, donc pas en accord avec les principes de la parole de Dieu, et elle demandait d'avoir un enfant. Donc, on a besoin de se mettre en accord dans la parole de Dieu. Quand quelqu'un vous demande de prier pour lui ou pour elle, il est important que vous puissiez discuter avec cette personne. On ne se précipite pas dans la prière. Souvent, c'est devenu un peu une façon de faire entre nous, entre chrétiens. Ok, un tel, on a besoin de prier. On en parlera peut-être un peu plus demain. Il y a telle sœur qui a tel problème. Ah, oh, Seigneur, merci. Il y a tel frère qui a tel problème. En fait, des fois, il faut simplement discuter. On discute, on comprend, on essaie de voir où la personne est, où la personne en est. Si vous visitez quelqu'un à l'hôpital, par exemple, vous avez besoin de savoir où il en est dans sa foi. Est-ce qu'il a des doutes? Est-ce qu'il est combattu? Quelle est sa foi? Quel est son niveau de foi? À quoi il s'attend du Seigneur? C'est vraiment important. Se mettre en accord. Je vais l'illustrer ici, vous voyez. Si vous priez avec quelqu'un, vous pouvez prier avec une personne et demander quelque chose à Dieu. Et Dieu nous dit, Jésus dit que si deux d'entre vous s'accordent, quoi que ce soit qu'ils vont demander, ils vont l'obtenir. C'est une promesse extraordinaire. Prier à Dieu, prier à deux, quelque chose de lourd. C'est pas ni une obligation, ni quelque chose de mauvais, c'est une bénédiction. Maintenant, si j'ai prié, ou j'ai ma mesure de foi, j'ai ma façon de penser, mais que frère un tel vient prier avec moi, mais que lui, il a une autre pensée. Il pense différemment. On ne pourra jamais se mettre en accord. Lui pense que parfois, Dieu envoie la maladie. Lui pense que parfois, Dieu veut qu'on reste malade. Mais moi, je pense que c'est toujours la volonté de Dieu de guérir. Lui pense que l'apôtre Paul a été malade et qu'il était dans des souffrances et dans des maladies et Dieu ne l'a pas libéré, que même c'était la volonté de Dieu pour lui. Mais moi, je pense que c'était absolument pas ça. C'était une écharde, un ange de Satan, un ange qui le persécutait de lieu en lieu partout où il allait. S'il a une façon de penser et qu'ensemble même nous prions pour une personne, mais que lui pense que c'est peut-être la volonté de Dieu que cette personne soit dans cette maladie, et que moi, je suis convaincu que ce n'est pas la pensée de Dieu, que ce n'est pas la volonté de Dieu, comment allons-nous réussir à nous mettre en accord? En réalité, on peut prier l'un et l'autre, mais on n'est pas en accord. Si on veut prier cette prière, et on est en train de voir les différents types de prières, si on veut prier cette prière d'accord, on doit avoir le même esprit de foi.
le même esprit de foi. Croire la même chose. Les mêmes dispositions. Se mettre en accord. Qu'est-ce que nous demandons? Qu'est-ce que nous voulons? Un jour, une femme s'approche à un appel dans mon église, ma première église, ma deuxième église. Et c'était une femme qui avait des problèmes pour marcher. Quand elle s'avance, je parle avec elle. Je prie. Seigneur, guéris-la. Tu as porté par tes meurtrissures. Mais la personne ne voulait pas être guérie. Elle voulait simplement aller un peu mieux. Et elle m'a dit, de sa propre bouche, « Mais si je suis guérie, je vais devoir trouver un travail. » Donc, comment je pouvais me mettre en accord avec elle, sachant que je croyais que pour elle, la guérison était la volonté de Dieu pour elle, mais elle, quand elle s'approche pour la guérison, en fait, elle ne veut pas la guérison, elle veut juste aller un petit peu mieux. J'aurais pu peut-être me mettre en accord avec elle pour qu'elle aille un petit peu mieux. Mais j'ai besoin de me mettre en accord avec la personne pour qui je prie. Donc, on prie selon la volonté de Dieu, on refuse le doute, on se met en accord avec la personne et Dieu répond à notre prière. Ils ont chaud ensemble. C'est comme des puissances qui se mettent ensemble, qui s'additionnent pour voir la gloire de Dieu. Aujourd'hui, on va prier ensemble, frères et sœurs. Dans cette prière d'unité, on doit être deux. Et vous voyez, si je devais aujourd'hui, maintenant, prier avec Gwen, que je rejoins, j'ai besoin de me mettre en accord avec lui. Si par exemple, j'avais besoin d'une voiture ou d'un montant d'argent, si par exemple j'avais besoin, si j'avais un loyer par exemple, si j'étais locataire et que j'avais un loyer à payer et qu'il me restait 5 jours à payer pour payer mon loyer, que j'avais besoin peut-être de 700 euros, j'aurais besoin de me mettre en accord avec Gwen et de lui dire, bah, Gwen, voilà ma situation, j'ai besoin de 700 euros pour dans 5 jours. Maintenant, Gwen, il a sa vie, il a ses façons de penser, j'ai les miennes, j'ai ma vie. Et peut-être que pour Gwen, bah, dommage pour toi parce que les 700 euros, je connais ta vie, tu n'as pas voulu travailler, on t'a proposé un travail et ce n'était pas bon. Et que peut-être pour lui, il ne peut pas se mettre en accord avec moi parce qu'il ne croit pas que c'est possible. Peut-être que pour lui, il a un autre pas. J'ai besoin de me mettre en accord avec lui. Maintenant, s'il croit, ok, on va prier. On est dans le même esprit de foi. Je crois en la bonté de Dieu, comme toi, Jérémy. Je crois que c'est un besoin, c'est vrai, que tu as. Et je crois que Dieu veut répondre à ce besoin. On peut ensemble bâtir notre foi sur un ou deux versets de la parole de Dieu et le proclamer, le déclarer ensemble. Et déclarer, tu as promis dans ta parole, Seigneur, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Tu peux m'encourager de la sorte. En me disant, Jérémy, rappelle-toi ce verset. Ou encore, je suis passé par là, et voici quel a été mon témoignage. Ce témoignage est une source d'encouragement pour moi. Alors, je suis encouragé par le témoignage et par le témoignage de la parole. C'est maintenant deux témoins que j'ai. Le témoignage de mon frère, le témoignage de la parole de Dieu et le témoignage dans mon esprit que ce que je demande, c'est ce que Dieu veut. Alors, en ce moment-là, nous nous mettons dans la foi. Nous sommes dans la foi et nous prions. Et nous déclarons, d'abord, nous pouvons prier, Père, on connaît ce besoin, nous l'avons exprimé maintenant. Et nous proclamons ta parole qui dit « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Tu as aussi dit que si j'obéis et si je suis docile, je mangerai les meilleures productions du pays. Seigneur, je n'ai pas de péché particulier dans ma vie.
Si j'ai fait du tort à quelqu'un, je t'en demande pardon vraiment sincèrement. Ouvre-moi les yeux s'il y a un obstacle dans ma vie. Je suis justifié. Et je crois que pendant 5 jours, j'aurai le montant suffisant. Et nous prions simplement. Alléluia. Gloire à Dieu. Père, je te remercie pour ta parole. Merci pour cette série de prières qui va continuer demain et la semaine prochaine. Tu veux nous encourager. Tu veux qu'on puisse pas apprendre des règles qui deviendront des choses même religieuses. Et tu veux simplement nous montrer des principes. Le besoin d'être en accord avec l'autre. Le besoin de demander la même chose pour l'obtenir. Le besoin d'être ensemble. Le besoin de marcher dans l'amour l'un avec l'autre. Tu nous montres aussi tous les privilèges qu'il y a de prier ensemble, de prier à deux. Père, je te remercie. Je veux me mettre en accord à la distance avec ceux qui croient que c'est ta volonté pour eux qu'ils se marient et qu'ils sont célibataires aujourd'hui. Et ceux qui parmi eux marchent avec toi en toute bonne conscience et qui sont dans la foi pour cela, qui aimeraient avoir un partenaire de prière. Je te remercie, Père, parce que tu les places sur le chemin près du puits où ils vont rencontrer cette personne. Je te glorifie parce que tu leur donnes un partenaire de prière pour prier à deux. Oui, Père, quand on est à deux, on est plus fort, quand on a le même esprit de foi. Merci pour les gens que tu mets autour de nous, qui sont des Barnabas, des gens qui encouragent, des gens qui nous fortifient. Je prie afin que chacun d'entre nous, Père, nous puissions être ces Barnabas, ces gens qui encouragent par leur témoignage, par leur foi. C'est vrai, on n'est pas tous au même niveau de foi. Certains sont plus avancés que nous, mais nous voulons nous mettre en accord avec leur foi plus élevée pour obtenir ce dont nous avons besoin. Père, je te glorifie. Je prie pour les personnes qui sont isolées, qui sont seules et qui regardent cette émission prêts à inspirer parce que pour eux, c'est une source d'enrichissement. Ils sont seuls et isolés. Père, vraiment, que ton amour les remplisse, les comble, les inonde. Donne-leur un partenaire de prière. Quelqu'un qui va prier avec eux. Tu es merveilleux, Jésus-Christ. Oui, tu es grand. Dans ta parole, que de vaillants héros ont eu des partenaires de prière. Merci aujourd'hui, Seigneur, on prie que celui qui est seul, qui est isolé, puisse trouver maintenant un partenaire de prière, puisse s'accorder dans la foi. On déclare pour notre frère, pour notre sœur, seul, que tu reçois maintenant un partenaire dans ta foi, quelqu'un qui vient à tes côtés pour conquérir ce qui doit être conquis au nom de Jésus. Oh, alléluia. Alléluia. Oui. Et Père, je prie pour les couples, pour la réconciliation des couples. La réconciliation. Là, nous nous opposons à tout ce qui est venu pour empêcher ces croyants de prier ensemble. En réalité, l'Esprit de Dieu te dit maintenant que ce qui est arrivé dans ton couple, c'était pour t'empêcher de porter du fruit et de prier avec ton conjoint. Ça a été fait pour t'éloigner
de cette puissance. Il n'y a pas de plus grande puissance que de prier ensemble. Et c'est l'une des plus grandes puissances, c'est de prier avec son époux, avec son épouse. À deux, on est plus fort. Et il faut que rien ne fasse obstacle à vos prières. Et cette chose est arrivée pour vous empêcher de porter du fruit. Et maintenant que cette chose est dévoilée, l'ennemi, ce n'est pas lui. L'ennemi, ce n'est pas elle. Et nos armes ne sont pas charnelles, mais sont spirituelles pour renverser les forteresses, les raisonnements. Alors nous choisissons de pardonner, nous choisissons d'aimer. Parce que Dieu met dans nos cœurs un plan. Dieu met dans nos cœurs une destinée commune de prier ensemble. Alléluia. Glorieux Jésus-Christ. Je peux voir un couple. Et maintenant, alors que vous êtes là, vous prenez par la main. Et vous vous pardonnez l'un et l'autre. Et vous décidez vraiment de... qu'il y ait une nouvelle page blanche, une feuille blanche. Et vous pouvez même mettre cette feuille blanche et la mettre sur votre frigo pendant quelques jours pour vous dire c'est fini. C'est une nouvelle page. On va se mettre en accord, on va prier à nouveau ensemble. On ne peut plus être focalisé sur nous et nos problèmes. Mais on va se mettre en accord pour que le royaume de Dieu avance. Parce qu'on comprend que l'ennemi, c'est Satan. Un royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. Et ce n'était pas par Satan que Jésus chassait les démons, non. C'était par l'Esprit de Dieu, parce que le doigt de Dieu était sur lui, la main de Dieu était sur lui. Alléluia. Et je veux vous encourager, par l'Esprit de Dieu, à vous réconcilier l'un avec l'autre, à vous réconcilier avec ce frère ou avec cette sœur, avec votre pasteur, avec votre leader spirituel. Marchez dans l'amour. Quand on n'a rien dans notre cœur, on est libre. Oui, je vous dis, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, mon Père qui est dans les cieux, votre Père qui est dans les cieux, vous le donnera. Gloire à Jésus-Christ, on vous bénit. On va se retrouver demain, frères et sœurs, dans Prière Inspirée. On va parler de la prière en groupe. À demain, dans cette prière d'unité.